Il était le cousin américain de Charles Aznavour. Mike Connors est décédé jeudi 26 janvier à l'âge de 91 ans, comme l'a annoncé Variety, relayé par Pure People. D'origine arménienne, Krekor Ohanian, de son vrai nom, était plus connu sous celui de Manix, détective privé icône du petit écran dans les années 70. Le cousin du célèbre chanteur français a été l'acteur le mieux payé de sa génération grâce à cette série devenue culte. Si Mike Connors a décroché des rôles dans Les Incorruptibles, L'Homme qui tombe à pic ou La Croisière s'amuse, c'est véritablement le rôle de Joe Manix qu'il a imposé et qui est resté dans les mémoires. Comme le révèle Le Parisien qui cite Variety, le célèbre acteur américain aurait succombé des suites d'une leucémie qu'on lui avait récemment diagnostiquée. Un décès qui laisse donc son cousin Charles Aznavour, sa femme, ses deux enfants et ses millions de fans nostalgiques orphelins.